tout le monde sait que ça a super bien, donc ça va super bien. Alors je se trouve sur Fire Dragon, on est en opération. Donc on se retrouve pour une partie commentée, je suis niveau 119, ça a bien monté. Donc la partie a commencé, on a passé les deux premiers points et les deux autres suivants, donc les quatre premiers. Je fais du 1-1, du score donc il est très bas mais positif. Et on est tout quand même, enfin on est en train de faire une bonne attaque. Donc là on a les trois points, on va foncer sur la cabine des chasseurs. Vous pouvez voir j'ai chopé le lance-flamme. Allez, on va voir ce que ça donne. Il est mort. C'est bon à couper. Voilà. Hop, c'est par la droite. Si je me prends une interroquette, je suis mort, donc fais gaffe. Bon, tu peux tout faire cramer si je veux. C'est ce qui est plutôt cool. Hop, je suis chef de squad et j'ai un petit peu de XP. Alors faut savoir que c'est le week-end double XP, j'ai un peu de XP en plus. Je suis chef de squad, donc clairement là les points ils vont rentrer assez facilement. Et je pense être d'ici la fin de la soirée niveau 200, 200 je veux dire. Non, niveau 120. Je vais essayer de me safe un peu. Il y avait du monde en haut. Ah l'enfoiré là, j'aurais jamais dû tenter. J'aurais jamais dû tenter. Putain, il est même pas mort. Il a un HP. Putain, la honte. Bon, 10-2, allez. Ok, du coup, côté assaut, j'ai pratiquement tout débloqué. Il manque plus qu'à faire. Donc, une destruction avec la mine anti-char. Là, j'ai quelques trucs à faire, j'ai pas mal de choses à faire, je les ferai plus tard. Et côté soutien, bah, celui-là t'as bloqué celui-là, donc du coup bah, je me suis mis ce qu'il fallait. Ok ok ok, c'est bon, je rigolais, calmez-vous. Alors à toi, c'est toi qui nous arrose. Merde, ça va me faire chier cet arbre, ouais, c'est ce que je pensais. Ah non, je vais aussi l'avoir. Voilà, allez. Débrouille. Normalement je crois qu'on peut le caper par en bas. Hein. Putain le monde. Ton masque. Ah. C'est compliqué de jouer au flingue face à des mitraillettes et tout. C'est peut-être pas forcément équilibré. Ok, bon. Putain, tout doux. Ah de me fâcher. Hop. Ok, allez, on se défend sur notre pote. Ah non, ouais, on peut faire un push par là. Voilà. Voilà, il y a beaucoup de monde, beaucoup trop de monde justement. Il y avait beaucoup trop de monde. Oula! Prends des munitions. Voilà, allez, petit doublon. On retourne à l'assaut. Nous avons pris l'objectif céleste. Allez, on bouge.
Merde, j'ai plus de bonus XP, dommage. Putain, je voulais m'occuper de l'autre, enfin de lui, parce que je l'ai vu arriver, mais son pote est revenu à la charge en fait. Il est revenu, il m'a pété la gueule. Ah merde, j'ai passé un camion qui arrivait. Désolé. Nous avons pris le secteur. Parfait, ben on a pris le secteur. On a pris le secteur. C'est cool, c'est plutôt cool. Éliminer toute présence ennemie dans ce secteur. Nous avons sécurisé le secteur. Hop, des munitions, les gars. Mais je pense qu'il va être pris en dernier. Hein. Je vais fixer pas beaucoup, enfin, encore du monde dans tous les coins. Nous avons pris le petit Fanatol. Ok, allez, on y va. On passe au prochain point. Attrape tes munitions. Ça va plus le faire, ça va plus le faire. Allez, c'est pas fini, c'est pas perdu. On va pouvoir encore repartir à l'assaut. Est-ce qu'il y a une escouade avec... Non, il n'y a pas d'escouade avec bonus XP, dommage. Bon, on aura tenté, on aura regardé. Ouais, ça peut se faire, hein. Franchement, c'est pas perdu. Hein. Il faut savoir qu'en plus, on a encore une division, je crois, derrière. On a un train en vrac. Prends ces munitions. Non. Un mortier. Allez, on y va. Il nous reste 50 soldats. On va donner un petit coup de peluche. C'est dommage. Putain, il est quand même premier, hein. Ça fait plaisir, toute partie comme ça. Là. Ok. Et voilà, la Perino 1908 défense. Soldats d'assaut ennemis. Des munitions pour toi. Nous avons pris l'objectif vert. Un peu trop de monde. Hop, on est tous de ce côté. Ouais, plus grand monde, hein. Change de position, on va attaquer l'autre point. Le bon feu. Il y a trop long sur ces munitions. On a lancé. Attention. Putain, hein. Oh, il a fait une triple à l'automatico, bien joué. Ah, le médic, yes. Bon, c'est pas grave, si on n'a pas passé, on aura toujours.
Aïe. On aura toujours ouais, le train. Je pense qu'avec 250 tickets et le train, il y a moyen de passer au moins sur ce secteur. Après la fin, on verra. Mais déjà, ce secteur, ça peut être pas mal. Les Allemands sont presque finis. Et nous voulons la victoire. Alors. Nous allons lancer une ultime attaque. C'est notre dernière chance d'atteindre notre pouf, objectif. Pouf, pouf. Nous recevons un train blindé en renfort. Ok, putain, what? Il y a un... C'est mon... Ouais, c'est mon mortier, ça, je crois. Allez, on y va. On doit capturer l'objectif. J'arrive à voir le mec qui est sur le bunker en fait. C'est celui qu'on a eu. Voilà, c'est lui. Il y a ton nom sur ces munitions. Capture d'objectif. On doit capturer l'objectif. What? Hop. Là. Allez, allez, on y va, on y va, on y va. Je vais essayer d'aller fournir un appui feu pour A. Attrape tes munitions. Dommage, on a tenté, c'est le plus important. Allez, on va relancer. C'est rien d'avoir peut-être 20 000 de score avant la fin de la partie. Petit objectif qu'on va se fixer. Si je pense que ça va être assez compliqué. Ouch. Ok, ça se passe pas. Ok, il faut que le train en défende A pendant que nous on aille attaquer B. Je te plante. En vous, je t'ai planté. Toujours pas un bonus XP? Non, bon. Je te demande, hein. Putain, on paiera. Défendez l'objectif. Ah, il doit peut-être pas voir à gauche, il doit peut-être pas. Ouais. Sûrement pas avoir assez de.
côté, il doit être côté droit. Là-bas, un éclaireur ennemi. Alors, faut savoir que là, en ce moment, il y a une médaille, je crois, ou une arme, enfin, en tout cas, quelque chose qui demande de jouer énormément aux pompes, et du coup, il y a tout le monde qui joue aux pompes, et c'est pas rare de trouver des parties, voilà, où c'est que du pompe. Bon, ça, on a pris le secteur, c'est plutôt pas mal. Ah, putain, ils avaient réussi à bien nous flanquer, les enfants, rien. Ah, à mon avis, on va sûrement récupérer pas mal de tickets en les éliminant tous, je pense, ce qui est plutôt bon signe, ce qui permet de pouvoir avancer. Deux enfoirés. Je sais pas ce qu'ils faisaient ensemble les deux, l'autre sa copine. Bon. À mon avis, ça va être mort. On va essayer de passer au médic. Cafetomate. Ouais, l'idée c'est d'être polyvalent. Une trousse de secours pour toi. Une grenade pour eux. J'ai repéré un soldat d'assaut ennemi. Ils prendront pas cet objectif. Défendez-le. Ah non, putain, mais une balle par une balle. Bon. Ça va être compliqué pour prendre le point. Je dois jouer à quelque chose que je n'aime pas beaucoup jouer pour les déloger, mais bon. J'ai gardé quand même la seringue pour pouvoir raser mes potes, mais bon. C'est très compliqué, je pense. Allez, on est parti. Et puis c'est d'avoir 2000 points. Sur la fin, ça va être très compliqué, je pense. Tout le monde ça. Ah oui, c'est vrai qu'on peut caper par le dessus, j'avais complètement oublié ça. Je suis mort. Ouais, bon. Ah non, ça fait les 20 000 de points, mais bon, si je gagne pas la game. C'était bien de gagner la game avec un petit bonus là, je pense que j'aurais bien monté. On va pas tout savoir. Hein. Et je suis obligé de me mettre en mortier, vous avez compris pourquoi. Et là, le truc c'est qu'ils sont assez regroupés, donc la technique, hop, c'est trouver un bon angle de tir. Hop, je spawn au début. Qui devait être au bord des...
C'est pas moi, allez. Putain, enfoiré. On va rester en médoc. Allez, un au pif. Il nous reste 50 soldats. Sous le feu. Tout ça va être sous le feu. Tu veux que je te soigne ? Je crois qu'ils ont pas compris le principe qu'il fallait qu'on attaque. Dommage, putain, ils sont tous en train de rusher là. Nous sommes en train de perdre l'objectif Bert. Et mince. Allez, on va essayer de prendre nos A au moins pour se faire des points en plus avant la fin. Il nous reste 20 soldats. Allez. T'es longtemps sous le feu, mec. Plutôt bon au niveau des scores. Allez, allez, tape le point avant de perdre. Nous avons pris l'objectif Anatole. Tant pis. Ouais, c'est putain, le bonus XP qu'on, enfin, le bonus dommage qu'on a pu se faire, si on aurait gagné. C'est fini pour nous. Là, on fait 30 000, dommage. On va voir le score, comment ça fait. L'esprit de la liberté pour la démocratie. Et le président Wilson vous salue. Que Dieu nous aide. On ne peut qu'imaginer ce qui se serait passé si l'armée allemande avait triomphé de l'offensive Meuse-Argonne. Après 4 années de guerre, la volonté du peuple allemand de continuer le combat s'était évanouie et son empire s'effondrait. Alors que des soldats américains continuaient d'arriver en Europe,